nouveau tes frais et Kenout. Je devrais aller les voir. Alors, la tribu Baya, Bayek, nous avons conclu une alliance avec Pompé, mais Apollodorus a de nouvelles tribus. Ce que nous avons traqué n'était pas les marseillais de Kenou. Les chiens, oui, mais il y a deux noms que nous devons envoyer, les scorpions et le chacal. Ils font partie de la garde royale des Ptolémées. Je te rejoindrai à Héraclion dès que Phidas et moi aurons terminé nos missions en mer. Je t'aime plus que jamais, Bayek, nous n'avons pas digéré cette vie. Mais le sort a ouvert les portes à l'ordre des anciens et nous devons nous employer à les renfermer à gauche. J'ai tué tout. Je dois l'annoncer à Apollodorus, à Héracléon. Bon, mais après, on va aller voir. On va aller voir Otéfrès et Kenny. Hors de mon chemin. Halt! Ne bouge plus! Nick Ennis, c'est Jerriette. Otéfrès, qu'est-ce qui se passe? Mon ami, tu es venu. J'en suis heureux. Qui est-ce? Où est Kenout? Ma femme est... où elle a envie d'être. Renfermée, froide. Elle sait... c'était hier. Elle allait partir. Tu n'es qu'un porc. De toute façon, je m'ennuyais. Merci pour le vin. Kenout est probablement près du lac. Je vais te conduire à elle. Dis-moi quand tu seras prêt à partir. Qu'est-ce qui te prend, tes fraises? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas tout gâcher. Je sais, je sais. Je suis bon à rien en ce moment. Tu n'es pas bon à rien. Révolte-toi! Prends ton épée et va combattre! Ça fait longtemps que j'ai rangé mon épée. Si j'ai agi, c'est seulement parce qu'Apollodorus a insisté. Il croyait qu'un grave complot nous menaçait tous. Et maintenant, Shalia est morte. Il se passe vraiment quelque chose. Tu as eu raison d'agir. J'ai été idiot. Je ne voulais pas, mais Kenout a insisté. Elle a dit que c'était notre devoir. Si je ne l'avais pas écouté, Shadia serait toujours en vie. Elle est sûrement là-bas. On a construit un hôtel au bord de l'eau.
Shadia adore l'eau. On y donne à manger aux poissons. Enfin, elle aimait l'eau. Enoute, je suis content de te voir. Enoute ? Elle est comme ça, maintenant. Quelque chose pourrait vous aider. À Siwa, nous accomplissons un rite à la mort d'un proche. Je peux ? Vas-y. Ce rite nécessite un objet. Faites-moi confiance. J'ai ce qu'il me faut. Tu feras ce qu'on te dit, espèce de petite larve. Si tu veux plus de grains, cultive-en plus. Ce n'est pas mon problème. Capitaine ! Kenut, non ! On ne peut pas. Je sais que tu n'extorques pas de grains à ce paysan. Parce que tu es conscient que tu enfreindrais plusieurs lois égyptiennes. En tant qu'autorité du Fayoum, tu le sais comme moi. N'est-ce pas ? Nous nous reverrons. Sois-en sûr. Mon cher époux, il nous faut oublier notre deuil. On ne peut pas laisser souffrir les autres. Pas si on peut agir. Tu t'es battu autrefois. Il est temps pour toi de reprendre les armes. La daronne, elle s'énerve et tu dois fasciner. Non, ne t'en fais pas. Le commandant lui réserve. Ah non, eh oh. Je me demande si c'est bon. C'est bas. Un insigne. Que je ne connais pas. Oh, tes frères s'en savent peut-être plus. Il ne manquera à personne. Il y a parlé d'un commandant. Les ordres viennent de quelqu'un d'autre. Ça n'est pas fini. Gagnez-moi un peu de temps. Je dois partir. Mais comment tu t'énerves ? Voilà. Ouais. C'est ça. Oui. Et voilà. Ton cheval. Ah, touché. Je vais t'étriper. Ah, t'es... Ah. Ça y est, t'es calmé? Bon. Okay. Oui,
es en vie. Ils voulaient la mort de Kenut. La mort les a trouvés avant. Je les envie. Enfin, c'était nécessaire. Ces soldats ne comprennent qu'une chose, la violence. Il y a autre chose. Ce capitaine recevait des ordres. J'ai trouvé cet insigne sur lui. Tu sais ce que c'est? Oui, c'est mauvais signe. Il vient de Fort Bubastos, à l'est. La place forte est commandée par un de ces Malakias qui se croit intouchable. Kenut avait raison. Si l'on ne fait rien, les gens continueront à souffrir. Bayek, je suis désolé, mais nous avons besoin de toi. Je t'aiderai. Mais avant, j'ai une chose à faire. Je ne serai pas long. Shadia, mon lotus. Plus personne ne souffrira comme tu as souffert. J'en fais le serment. Adieu, mon petit têtard. Nage en toute liberté. Bon, voilà. Alors, on a vengé Shaya. Faut aller voir ce qu'il passe. Ouais, bon, on a bien fait. Par contre, je voulais faire un... Voilà, celle-là. C'est une... comment dire, je l'ai eu un peu comme un jeu. Jerry.
vache, il dépasse jusqu'à ça. Hop. Oui, le mec il est pressé. Attends-moi. Les poursuivants de l'été. Nul. Ça fait des gages. Et toi aussi. Tu as été extraordinaire. Je te félicite. Qui t'envoie ? Le gros Kition ou le petit Héraclide ? Ils ont cru que je ne m'en sortirais pas tout seul. Mais on leur a montré qu'ils se trompaient, pas vrai ? Vraiment ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Est-ce que tu veux rire, Neb ? Nous cherchons la crypte perdue du grand roi Snefru, le fondateur de l'âge d'or de l'ancien empire. Et comment tu comptes t'y prendre ? Non, mais dis-moi... Ils ne t'ont rien dit avant de t'envoyer me chercher ? Rafraîchis ma mémoire. Selon mes dernières recherches, Snefru a dissimulé 3 artefacts dans ses pyramides. L'un à Medum, dans sa première pyramide qu'il a mal construite, un autre dans la pyramide rhomboïdale, dont il a dû modifier la conception après l'effondrement de Medum. Et un dans le chef-d'œuvre final, son tombeau. La pyramide brillante. J'ai l'un de ces artefacts. Mais ces crapules de bandits m'en ont volé un autre. Il faut que tu le leur reprennes. Et où sont-ils ? Ils campent sur les hauteurs à l'ouest de Memphis. Pour les trouver, il suffit de suivre le ruisseau. Tu vas aussi devoir réussir à entrer dans la pyramide brillante pour récupérer le dernier artefact. Je pense qu'il y a une ouverture en haut. Mais l'ascension est ardue. Dans ma jeunesse, j'y serais parvenu, mais... J'irai voir. Il y avait combien de bandits ? Je crois qu'ils étaient tous là. Ouais, donc je pars au bout à sa place. Ouais, y'en a... Je vais garder la pyramide pour l'instant. Je vais aller voir les bons gens.
Mais arrêtez, vous êtes niveau 23. Ah merde, j'ai raté. Voilà. Victime numéro 1. Victime numéro 2 s'est déplacé. Enchaîne-le. Allez, viens. Allez, montrez votre manche. Allez, on montre la planche. Elle est bête, hein. On va avancer. Hey, sur moi, frère. Oh non, il n'y a personne. Tous ces idiots qui se battent pour une cause, bah, s'ils sont contents de mourir pour elle. Enchaîne-le.
sûrement l'artefact que les bandits ont volé à Merkès. Très étrange. C'est une espèce de petite tyrannie. Allez, on va faire la pyramide. L'artefact et la tablette ancienne. Ma très chère, ce film a été très étrange. Baby est venu il y a quelques jours en déclarant qu'il fallait travailler plus vite car le roi se faisait chaque jour plus faible. Je lui ai répondu qu'il suffisait de me donner 10 hommes de plus pour que ce soit prêt en un jour. Nous avons bu et ri ce soir-là. Et la tristesse a accompagné Baby quand il est revenu de Fed une fois encore. Il m'a dit que le roi ne pouvait plus attendre que son grand défi soit achevé. Quel trésor gâché, mais au moins nous nous reverrons toujours plus vite. Non, mais t'approches pas. Calme-toi, les gars. Allez. Pas là-haut, mais c'est là-haut.
C'est une table. Et une énigme. Maintenant, c'est pas arrivé. Sans plus sortir. Un petit bignot. On peut faire des questions. On peut faire des questions. C'est un peu. Simple méthode. Pas un premier coup. Alors, ça, ça sent le serpent. Non, pas de serpent? Bah. Je suis déçu, ils ont pas mis de serpent. Non mais c'est pas un jeu d'horreur, hein. C'est pas une serpeur. Hein. Là, il y a des machins. Là, il y a un machin. Exactement. Zup. Pas ça, moi. Moi, je peux plus monter dessus. Rien à dire. Je peux pas monter par là. Merci. Est-ce que je peux pousser le machin? Ouh là là. Là, il y a un bignon. Donc là, il y a des trucs dessus. Je peux monter par là. Vous voyez qui essaye. Une sortie en bas. On a bien que je remonte.
Ouais, j'ai pas mis assez de frais. J'ai pas mis assez de frais. Ah! Ah, ça bug! Normalement, il aura du temps. Normalement, je devrais pouvoir passer. Ah non. Non, non. Non, les poches sont pas assez lourdes. Avec trois fois ça arrive à me... Est-ce que ça arrive à me supporter? Voilà. Okay. Avant 3 ans, nous avons construit plus de la moitié de ce qu'on avait fait. La bande des artistes. Oh, c'est un top. Pour moi. Bon, franchement, bah, tu pourrais faire un effort à ramasser tout ce qu'il y a par terre. Cet artefact d'apparence quelconque doit avoir une valeur cachée. On l'a mis avec de tels trésors. Il est temps d'aller voir Merkès et découvrir l'usage de ces trois artefacts. De vieilles écritures de l'ancien royaume. Et mon passage préféré, le passage chinois. Ah,
J'ai récupéré les deux autres artefacts. Ah, ça confirme mes hypothèses. Parrain, c'est ça. Les artefacts forment un dessin. Mais il en manque une partie. Impossible de les relier. Sauf qu'il y a un passage dans l'Égyptica qui dit « La voie est libre sur la pointe brillante. » Et les inscriptions de cet artefact doivent faire référence au pyramidion du tombeau de Snéfrou, la pyramide brillante. Je suis sûr que la clé du mystère se trouve là-haut. Que dirais-tu d'aller y jeter un coup d'œil ? Tu peux me dire ce que tu espères trouver ? Les inestimables trésors de Snéfrou sont perdus depuis si longtemps. Ceux qui les révéleront à la lumière du jour seront considérés comme des héros. Hé, je ne suis pas un pilleur de tombes. Non, non, non. Bien sûr que non. Je t'assure, tu as ma parole. Tu ne perturberas personne dans les champs de roseaux. Ouais. Je vais grimper, je vais voir ce que je peux trouver. Ça parle de la grimper. Par contre, on fait ça en plein jour. Allez. Le sommet du tombeau de Snéfrou, avec des fentes assez étranges. Peut-être que si je... Tu mets les trucs dans les trous. Ces trois artefacts s'insèrent parfaitement dans les fentes du pyramidion. C'est un dessin. D'ici, sur la pyramide brillante, cela semble pointer en direction de ces ruines à l'est. C'est là qu'on trouvera la crypte. Il y a quelqu'un qui a accroché son linge. Bon, le mec, il y était déjà. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé ? J'avais vu... Ne me fais pas languir, s'il te plaît. Tu as trouvé quelque chose ? J'ai apprécié la vue. Les éléments prennent place dans le pyramidion et forment un dessin complet. Tu es extraordinaire. Et... Dis-moi, est-ce que ça résout l'énigme des récits sur l'endroit où se trouve la crypte ? Je pense que ça désigne quelque chose à l'est. J'ai pu distinguer ce qui ressemble aux ruines d'un temple. Suis-moi, je vais nous conduire là-bas. Pas d'autres ennuis, d'accord ? Avec toi à mes côtés, aucun risque. Comment as-tu croisé le chemin de ces bandits ? J'avais fait appel à eux pour trouver les artefacts. Quoi ? Ils travaillaient pour toi ? Eh bien, leur chef, Belouche, prétendait connaître le désert mieux que quiconque. Je ne pensais pas qu'ils me trahiraient ainsi. Je ne pensais pas qu'ils étaient ce genre de bandits. Il n'existe qu'une sorte de bandit. Pille et tue pour de l'argent. Tu as raison. Ils paraissaient déterminés à faire les deux. Après m'avoir volé... Un artefact,
Il voulait me tuer pour avoir l'autre. Oh, tu vas finir par te faire tuer. On me l'a déjà dit. Nous y voilà. L'entrée est cachée, bien entendu. Le sol semble meuble ici. Voyons ce qui se cache sous le sable. Parfait. Je me demande ce qu'on va trouver. Un gros serpent. Dernier obstacle dangereux. Je t'avais dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Allez, par ici. Après toi. Nous sommes les premiers à entrer ici depuis plus de 2000 ans. Je dois regorger de trésors. Et le serpent, c'est tout. Il n'y a pas à s'inquiéter. Tu as fait exactement ce que je t'aurais dit si tu avais été moins rapide. Allez, allez! Pas de temps à perdre! C'est d'une beauté divine. Voilà une chose que moi. Cette salle a été parfaitement conservée. Intacte depuis le règne de Snefru. Un pyramidion parfaitement conservé. Une relique des dieux. Et l'origine de toute bonne chose. Les premiers rayons de Ré l'ont illuminé. Ils ont éclairé le vol de l'oiseau Bennu. Qui a survolé les eaux de Noun. C'est ici? Cet endroit ne contient que de vieux rouleaux. Il n'y a pas d'or. Quelle merveille! Quel trésor historique! Kition et Héraclide en resteront sans voix. Je vais être célèbre. Nous allons l'être. Heureux d'avoir été utile. Dès que j'aurai catalogué nos découvertes, je les apporterai en chariot à la bibliothèque d'Alexandrie, où elles seront étudiées et conservées. Ça, c'est tout ?